Et c'est parti. Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session Death Stranding sur la chaîne. On continue le let's play et après ce moment de vide post-livraison de pizza, et eh bien là ça y est, on est reparti pour de la rando vénère. Je vais tenter des choses, c'est pas dit que ça fonctionne, mais a priori, là en gros je dois me rendre ici. Et... bah je vais tenter en moto quoi, mais je vais sans doute regretter, donc on va voir. La moto est vide, j'ai anticipé, comme ça si jamais je dois l'abandonner, je l'abandonne, c'est pas grave. Pour le moment on va la garder. Merci à Raph qui s'abonne à la chaîne, du coup merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis le début, encore merci à Adanis, encore merci à Evon également, merci beaucoup à vous tous. Et donc là voilà, on va avancer tranquillou, je vois qu'il y a un pont. Un pont qui à mon avis sera appréciable. J'en suis même convaincu. Quoique... attends, est-ce que c'est un vrai pont ou est-ce que c'est un faux pont? Non, c'est un pont qui sert à rien. Attends, le mec il a 5200 likes pour un pont qu'il a posé sur un endroit qu'on avait pas besoin. Ah d'accord. Belle critique de la société, bravo. Bravo Kojima Prod, bravo. Oula. Ah d'accord. Ça y est, dans tout le jeu il n'y a pas un moment où le terrain a de la physique. Mais là, là il te balance l'avalanche quoi. Un hommage à Final Fantasy 7 j'imagine. Ah, le retour de la moto vénère. Merci Dredouné, merci beaucoup. Ah, 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 le bientôt la neige. J'ai tellement hâte d'être dans la neige. J'ai vu quelqu'un qui jouait dans la neige, ça avait l'air très très beau, donc ouais. Là, vous me filez un piolet et je vis ma meilleure vie, si jamais. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ça a l'air chaud. Oh putain. Je suis préparé à faire à pied s'il faut. C'est bon. On a 40 minutes pour le faire. Je vous promets que dans 5 minutes, le truc il est posé. C'est ok hein. Attends, c'est ok ou c'est pas ok? Bonne direction. Oui c'est bon, c'est bien par là. J'aurais bien... ah mais c'est ça. Attends, est-ce que c'est ça? Oui c'est bon, je vois la structure. Bah c'est bon, si on voit la structure, c'est que c'est accessible. La moto des enfers. Ah, dommage. Ah, je crois que c'est pas mal là. Là, ça sent le bon chemin. Ça sent vraiment le bon chemin. Oh putain, ça sent la merde. Non, c'est bon. Oui. 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 Là, c'est bon. Facile! Ah. Punition, toujours. Toujours, toujours. Oh, joli camion. Ah mais attends, ne serait-ce pas le fameux incinérateur? Est-ce que je me suis complètement trompé? Mais oui. Je me suis complètement trompé, je suis complètement con. C'est pas du tout là, j'y ai tellement cru. Pour rien en plus. Je suis débile. C'est pas grave, tout va bien. Donc c'est là-bas. Ah oui, c'est pas bon en fait. Ah oui, ça va être chaud. Ok. Est-ce que bonne direction ou pas? Pas trop. Pas trop, mais on va passer par là quand même. Alors, c'est un rallongi qui est raccourci. Je vous explique le concept. Je fais un détour pour pouvoir mieux revenir en étant droit sur la piste. Regardez ça, est-ce que c'était pas une très bonne idée ce que je viens de faire? Hop là. Alors on pourrait éventuellement continuer la route. Ah ouais, par contre là c'est chaud. Là c'est très très chaud pour la batterie hein. Ça a l'air très très beau, ça a l'air vraiment très très beau. Regardez ça, cette petite forêt là. Je sens arriver le drama des monstres qui vont nous embêter, mais ça a l'air très très beau. Ah bah oui, là on la voit arriver à 1000 lieues, la zone nulle. Bon allez, je tente. Mon dieu, une zone jolie, facile à explorer en roulant, avec encore une fois des routes de partout par contre.
à faire, ce qui me terrifie. Les ressources ne pleuvent pas assez pour ça. Oh merde. Tout va bien. Oh putain, la batterie. La batterie. Chiotte. Tu aurais été bien utile, petite moto. Alors, peut-être que... Peut-être que... Attention. Je piffe, hein. Ah, couverture réseau chiral inexistante. Je reviendrai, petite moto. On va y arriver, mais en courant, vous inquiétez pas. Merci Loin Loin qui s'abonne à la chaîne. Et oui, on a panne de réseau, mais c'est pas grave. On a quand même fait une bonne partie de la route qui a quand même facilité grave le truc. Mais ça nous permet de profiter aussi un petit peu de l'ambiance, parce que là, au moins, on est tranquille, quoi. On est vraiment tranquille. Une petite musique n'aurait pas été de trop, d'ailleurs. Merci Injal également, merci beaucoup. Il y a aussi Serge Le Gris, merci, merci beaucoup. Je viens de voir, du coup, les beats, merci infiniment. Bébé gazouille. Bébé est content, de toute façon. Là, il est bercé par le mouvement naturel. Et tes pixels également, merci beaucoup. Merci pour tout, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est un peu la merde. Bonjour. Bon, ça, je pense pas pouvoir le piloter un jour, ça me semble un peu gros. Bon, j'espère qu'on va connecter le centre de distribution au réseau chiral, sinon ça va être un chouille relou. On va voir. Attention. Le scénarium. Enfin, le petit bout de scénarium. C'est maintenant. Profitez. Je sais. Il y a encore pas. Bon, ça c'est chouette. Je me demande ce qui va se passer quand on aura passé le cap de l'étoile rouge, en fait. Est-ce que c'est rouge le max ou pas? Il va passer quelques dialogues. Parce que là, je sais qu'il va juste nous dire « Allez, on fait le réseau chiral », voilà, le scénar arrive juste après ça. J'ai l'impression qu'on a vraiment vraiment avancé dans la map d'un coup là. On va voir ce que ça donne, mais ouais. Ok, le scénar. All right, Sam. There aren't any more stops to make before Mountain Knot City. But this last leg will be the hardest yet. Rest up at the private room and check your gear before you set out. Ah,
Merci le passage, merci beaucoup. Il y a Big Willy Wee qui nous dit vivement la montagne, mais tellement, j'ai trop hâte. J'avais call le scénarium. Hein. Higgs and his people came. They finally reached Edgenoth City. There's no escape for me now. Everyone's dead, the city's destroyed, and what's left is crawling with BTs. They're everywhere. Where's your Kipu? But I was able to sneak away and reach out to you. This might be our last chance to talk like this. I just wanted you to know that I'm safe. For now. Promise me you'll keep building the chiral network. It's our only hope for the future. It's my only hope for freedom. And when you've finished, we can go back east together. Amelie, your Kipu, where is it? Sam, I'll be waiting for you on the beach. Peut-être un twist à prévoir. En tout cas, c'est vrai que c'est très 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 bizarre que là, comme par hasard, il fait son petit rêve, son machin, et puis là, comme par hasard, elle a pas ce qu'il faut. Il y a un truc. Il y a clairement un truc. On va aller quitter la chambre de ce pas et aller vers notre prochaine destination qui est pas si loin que ça finalement. Donc comme ça, on fera deux en un. Sam, I have some new info you should hear. Recently recovered thanks to your efforts to expand the chiral network. It concerns BBs. I dug this up on my own, just to be clear. No one ordered me to look. And if anyone asked, put it all on me. No need for you to deal with any blowback. You were just listening to me ramble on the wire, okay? Anyway, it looks like Bridges wasn't the first to bring back BB Tech. It was a group of separatists. Terrorists opposed to UCA expansion, according to the records. They started using them about 3 years ago. Right around the time Bridges 1 was putting plans in place to head west. Seems these separatists were having trouble with BTs too. And figured that if they could track them, they might be able to steer them into our path. When Bridges caught wind of this, the decision was made to fight fire with fire, to start using BBs as a countermeasure.
It's possible yours was commissioned for that very purpose. A fact I think someone may have tried to conceal, judging by the absence of BB-28's service record. I always found it strange that we were so willing to utilize technology we barely understood. Now we know why. We've been aping methods and techniques employed by others from the start. There's more you should know. It's about the original Bridge Baby experiments. Piecing together what little I could find, it looks like they started around the time of the Death Stranding. They were conducted on the island of Manhattan, off the East Coast, which was completely and utterly obliterated by what was almost certainly a void out. Back then, these experiments had the full support and approval of the American government. It's all just guesswork, but I suspect the BB program was conceived to help gain a better understanding of the nature of the Death Stranding. However, due to ethical and safety concerns, public opinion was strongly against the program. Still, they pressed on, and in their desperation to make sense of the greatest disaster of their age, I think they caused another. I should also mention that the president himself was killed in the blast. It was after his death, when he was succeeded by then Vice President Strand, that the experiments were suspended by executive decree. Documents were shredded, facilities were decommissioned, and every effort was made to pretend that BBs had never even existed. Which begs the question how some random separatist group was capable of resurrecting the tech decades later. I'll let you know if I turn up anything enlightening. Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. C'était très 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 MGS ce qu'on vient de vivre. C'est rigolo. A tar-like substance has been bubbling up from beneath the ground near them. They're seeing more of it by the minute, and it won't be long before it spreads into the city. There have already been reports of ejecta inside the outer walls. If nothing is done, the whole city might be swallowed by a sea of tar in the near future. There's an order from Mountain Knot City. Check the details on the delivery terminal. Okay. J'ai l'impression de retrouver du Kojima, c'est rigolo. C'est vrai qu'on est... Je trouve qu'on... On retrouve pas vraiment l'ADN Metal Gear Solid, c'est rigolo. On trouve d'autres choses. Allez, ville relais dans les montagnes. 80 kilos, bordel. 80 kilos. Ouf. Ah oui, là, ça déconne zéro. Ouais, allez. Tant pis pour la moto. Be advised, Sam. The case for that antimatter bomb was not designed. The magnetic traps that keep the antimatter... A powerful impact, reckless driving, an unbalanced carrier. There... Any abnormalities detected within the... If it goes off, and if the bomb goes off, the kind we can't come back. Vous avez entendu, hein? Là, faut vraiment déconner zéro. Hein. On va mettre juste ça dans le camion. Une bombe d'antimatière, c'est... Ça déconne zéro. Là, là on est au-delà de la... Là, tu crées un trou noir carrément avec ça. C'est violent. Alors bon, après j'imagine que les les puits de poids doivent être grands, vu que bah tous on voit, hein, c'est relativement noir. Sinon ils seraient rouges, parce que les petits poids sont rouges. Salut, à la prochaine, voilà, devant une 400, je suis désolé. Alors, où est-ce qu'on va? Bien conduire, ça va être une bonne chose, mais par contre... Bon, ce camion va être sacrifié, vous le savez. Pour une bonne raison. Alors attends, est-ce que je vais enfin me servir de cette putain de commande? Comme ça. Oui. Nice. Une honte, je sais. Bon, on a dit pas trop de choc, donc je vais y aller vraiment, vraiment zen hein, pour ce transport. J'espère que le son est assez fort, vous entendez bien le son du jeu malgré tout.
Tout est très bien géré pour le moment. Et ce n'est que le début. Je sens que ça va se finir à pied dans tous les cas. On verra, mais... Mon petit flair me dit qu'il y aura un moment de rando vénère dans la montagne. Quel bonheur de voir des arbres. C'est vrai que ça faisait longtemps. Hein. On est d'accord que là, quand je vais arriver à destination, c'est le méga moment de scénar vénère, les grosses cinématiques, le truc où on va me dire fais la pause pour la VOD sinon tu vas le regretter, tout ça. Ah ouais, là. Bon. On va tenter de raccourcir un petit peu les choses. Comme je peux. Oula. Merde, pitié. Pitié, envoie pas ton truc, je t'en supplie. Que pas le fou. Merde. Ah, il y aura peut-être un petit peu des secousses. Légère. Quelques secousses, quelques secousses, quelques secousses, mets-toi bien. On va imaginer qu'elle a un auto-heal. Hein. Je vais tenter ma chance. Oula! Allez, remets-la à 9. Oh, elle serait. Oh non, elle serait pas la bombe. Oh putain, vous avez vu les ressources demandées pour cette route à côté là? Pouah! Ce truc infaisable. Là, on est d'accord, je suis le cours d'eau. Ah, pas celui-là, le deuxième. D'accord, on suit le grand cours d'eau là. Ça va péter, mais non, ne vous inquiétez pas. Je maîtrise complètement la situation. Oh, c'est le pire moment pour ça. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais par là en marche à pied ? J'hésite en fait, soit je vais à gauche en marche à pied. Soit je tente néanmoins de... Je pense qu'à pied c'est plus safe, ce sera plus long mais c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une marche comme ça par contre. On va croiser les doigts. Allez, c'est parti. On fera des séquences avec du repos, je pense, au bout d'un moment, qui seront nécessaires. Peut-être que la moto, c'était le bon plan. C'est exactement ça. Comme dit Enoka, solide sur les appuis. Merci à Sepoukou qui s'abonne à la chaîne. Merci à Loupa Sales également qui a fait un don de beats. Merci beaucoup à vous. Allez. Ah bravo, ça valait le coup, j'aurais dû rester dans le camion, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. La manette elle vibre dans tous les sens, c'est très bizarre. Ouais, de toute façon j'aurais dû changer ici. Bonne destination, oui. C'est le bon chemin. Est-ce que je peux monter? Oui. En fait, bleu c'est normal, jaune c'est endurance, rouge c'est non. Donc là on est ok. C'est vrai que j'ai le plus lourd en haut, ce qui est très con.
Je rejoins votre avis. Après, j'ai aussi ma caisse, hein. Je sais pas pourquoi je la sors pas. Je pourrais sortir avec ma caisse et pas me faire chier. Faudrait juste faire gaffe aux secousses, quoi. Et oui, c'est vrai. Bon, après, il tient bon, donc tant qu'il tient bon, je me ferai chier, mais... Alors, est-ce que ce serait pas le truc qu'on voit là, devant? J'ai l'impression qu'on va vers ça, hein. Non, c'est plus par là-bas. Bon, on va faire un petit détour et revenir. Ah bah non, parfait. Nickel. Il manque vraiment les données topographiques pour savoir si c'est en hauteur, pas en hauteur et comment gérer la suite. Si, je pourrais faire une tyrolienne évidemment, mais... Ah, oh putain, putain. Là, c'est bon. Donc ça passe, c'est ok. L'idée c'est de surtout pas se vautrer. Ah, l'arc-en-ciel qui annonce rien de bon. Ça va être chaud pour le... Pour la structure qui mène par contre. Vous voyez les ailes, hein. Attention. Allez, c'est presque bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette petite session de marche tranquille. Juste à profiter un petit peu du jeu, comme ça, voilà, c'est mignon. Le chariot aurait peut-être beaucoup aidé, mais bon, c'est pas très grave. Oui, c'est très très beau, c'est très très beau. La carte est en 3D. Oui, mais je sais qu'on voit la carte en 3D si vous voulez, mais c'est... Ah, vous voulez dire qu'on peut l'incliner ? Comment ça ? Parce que moi, je vois juste une photo vue du dessus. Ah ! Avec le tactile central. Ah, d'accord. Ah bon ? Ah, putain. Et c'est pas bien foutu, hein. Ah putain, avec la manette. Ouah, c'est pas du tout, c'est pas le tactile central, c'est la manette. Oh bah je suis désolé, c'est vraiment de la merde. Donc non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Là pour le coup, la commande est un peu pétée. Ah, de la musique, trop bien. Allez, on profite. J'enlève la caméra. Profitez. Oh putain, oh putain. C'est quand même monstrueusement stylé. Hein. Vraiment. Standing bridges ID. Verifying ID. Clear.
Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Ouais, les cailloux volants par ici, ça sent pas très bon. Ça sent le fameux puits, justement, ouais. Juste question très importante pour le chat qui a vu la suite du jeu. Est-ce qu'il y a genre monstre ciné là qui arrive après ou pas? C'est très important, vraiment, j'insiste. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. How you doing, Sam? Personne ne sait a priori. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Bon, désolé pour YouTube, je pense qu'on va faire une pause. Ouais, non, allez. On tente. Je croise les doigts. Displaying performance evaluation. Ah, dommage. Je pensais avoir fait mieux que ça, honnêtement. The hell do you think you're doing, Bridges? That network you're building is carrying some nasty stuff. Stuff nobody would want anywhere near them. I thought you people would have figured that out by now. We want no part of your chiral network or the UCA. That voice. Is that you, Mama? You hit your head there, Mama? I'm not yours, and yours is no kind of mother. All right. Enough games, Mama. I don't think you heard me, mister. Mountain Knot City is telling you and the UCA to take a hike. You people keep doing what you're doing, and you're gonna put us right back on the road to the Death Stranding. We didn't ask for you to come and tell us how to live our lives. We'll decide that for ourselves, thank you very much. All we want from you is the occasional delivery. Nothing else. So you speak for the city? That's right. I'm in charge. The name's Lachna. Lachna? Hold up, I need to talk to you. You're a technician, right? Look, go home and don't come back. Listen to me, damn it. I need your help. Well, we don't need yours, Bridges. You're only making things worse. Sorry you had to deal with that, Sam. She's the boss over there, and she's not afraid to lay down the law. We need her, and we need her people. We've lost too many others as it is. Without Mountain Knot City, the Chiral Network and the UCA will never be complete. What now? So, here's the thing. Sam, Lachna is Mama's twin sister. Former Bridges 1, went west with the others. Second group, just like Mama. Mama's not her real name, of course. That'd be Malingan. Both have dooms and both are scientific geniuses. Mama's primary field of expertise is applied physics. Lachna's is theoretical. Mama designed the Cupid hardware. Lachna, the software. They said they could converse over any distance. Said they had a special bond that led them. I don't know how that's possible, but I'll tell you this. There wouldn't be a chiral network without them. They were so close that some said they were like one person in two bodies. Might be why they were able to develop the Cupid. But they had a falling out after Molingan's accident. Lachna left Bridges and cut off all contact with us. I don't know what happened between them. But if we don't bring Lachna around, our plans to make America whole again are finished. Not that I'm asking you to stick your nose in their personal business. Though if you did, it might help us figure out how to bring Lachna around. Which would be great, because our plans to make America whole again are finished without her. In the meantime, if you've got any bright ideas, feel free to give them a shot. Good work. Bon, là, les choses avancent quand même drastiquement vite. Merci à NeuroExtreme au passage.
On a reçu des choses importantes, notamment du côté des mails. Alors, on va commencer par ça. Sam, j'ai appris que vous étiez chez Mama. J'ai une demande pour vous qui vient directement de Bridges. D'accord. Une super cellule qui a atterri... Ah mais ça c'est ce qu'on a fait. D'accord, ok. Bonne nouvelle Sam, cette bombe antimatière devrait arrêter la propagation de la poix. Franchement merci, vous nous avez sauvé les miches. Par contre, je n'ai pas pu connecter le Cupidon. Lockn est intervenue pour m'en empêcher. Elle a beau ne plus faire partie des Bridges, c'est toujours elle qui commande ici. Je ne pouvais pas faire grand chose après ça. C'est pas comme si je pouvais l'ignorer non plus. Vous savez, elle a beaucoup changé depuis que Mama s'est fait embarquer dans ces histoires de terrorisme. C'est pas étonnant après tout, vu leur relation. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas vraiment à moi que vous demandez ça... Vous pourriez en toucher de moi, Mama. J'ai l'impression qu'il suffirait qu'elle se parle un peu pour que toute cette affaire soit réglée. Si vous décidez d'aller la voir, regardez dans votre casier privé. Je vous ai laissé un peu de matériel supplémentaire. Ça devrait vous aider à atteindre le labo de Mama en un seul morceau. Ah, encore une demande de pizza. J'en reviens pas. Donc là, est-ce que ce que je comprends, c'est qu'en fait, le jeu te dit « va voir Mama ». Bizarre. C'est bizarre. Ou alors là. Je sais pas où aller. Je suis perturbé. Alors peut-être que quand je vais sortir, il va se passer quelque chose. C'est possible, mais ouais. C'est rare qu'on ait pas de quête en fait pour Sam. Ah, ça c'est trop bien ça. C'est bizarre. Hein. Y a un truc. Y a vraiment un truc. Donc ce qu'on va faire, c'est que là par contre pour de bon, on va mettre en pause la VOD. Et on se retrouve très bientôt pour la suite pour les gens qui voient ça en VOD sur YouTube. Pour les gens qui sont sur live, ne quittez pas bien sûr, je reviens dans un instant, à tout de suite.